ce temps que nous avons consacré à un grand débat national, il était nécessaire pour laisser à chacun la possibilité de s'exprimer et il était nécessaire pour écouter. Judith, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce besoin de proximité que ressentent les citoyens ? Les citoyens mettent en avant le souhait de participer directement à la discussion des choix qui les concernent. Les participants ont vraiment fait le jeu de se situer au niveau de la France, de réfléchir à partir des besoins qui rassemblent l'ensemble des Français pour faire des propositions qui puissent améliorer la vie de tous les Français et le fonctionnement de la société. Ces propositions, elles nous dessinent le contour d'un service public de demain, de ce que souhaitent comme évolution les citoyens. Ils ont des attentes, attentes très fortes envers le grand débat, vous l'avez dit au travers du nom très explicite de votre tribune, attendent bien sûr qu'il y ait des suites, qu'il y ait des décisions, qu'il y ait, comme on dit en démocratie participative, une reddition de comptes pour continuer à être au cœur de cette gouvernance renouvelée. Merci pour tous ces éléments, Judith.